Salut à tous, bienvenue dans The Squeak Show by Tony Parker. Je suis trop content de vous retrouver. Déjà, on a eu un premier épisode de malade. On était à Springfield avec Dirk Nowitzki, Dwayne Wade, Pau Gasol. On était dans le musée du basket. C'est pas tous les jours qu'on va faire des trucs comme ça. Mais j'avais envie de prolonger le plaisir. Donc, pour ce deuxième épisode, je pense que vous connaissez Thierry Henry, le footballeur. Je pense que vous connaissez Matt Pokora, l'artiste. Mais je pense pas que vous savez à quel point ils connaissent le basket. Moi, j'ai jamais rencontré un autre sportif ou un artiste qui connaisse autant le basket. Donc là, on va rentrer dans des grands débats avec mes amis et bien sûr avec mes deux hosts, Stephen Brun et Leslie Boitrel. Bonjour à tous. On est dans une émission exceptionnelle. On est à Springfield, le Hall of Fame. On est dans le musée et on a deux invités exceptionnels. Mr. Brun, est-ce que tu peux les présenter ? Avec grand plaisir, Tony. Alors, nos deux invités, est-ce qu'on a vraiment besoin de les présenter ? Thierry Henry et Matt Pokora. Je vous préviens, les gars, il y aura un peu de chambre, un peu de trash talk. No offense, comme ils disent aux États-Unis. Thierry Henry dit Titi. Et on va s'arrêter sur ce diminutif, déjà, ce nickname. On a Titi. On a Tipi, Titi et Kiki, il me semble aussi. Hein. Non, Kiki, là-bas. Kiki, voilà. Il y a des diminutifs qui font kiffer, Thierry. Tipi, tu vois, ça passe bien. Mathieu, il a compris que c'était un ringard, donc il s'est dit Matt, c'est bien. Ouais. Et Thierry, Titi, ça fait agriculteur dans l'amour et dans le prêt, Titi. Tu vois, j'aurais préféré French King ou Anaconda. Anaconda, ça me plaît bien. Non, mais attention. Il est allé chercher. C'est loin dans les dossiers. Des dossiers comme ça. On n'a même pas commencé à en parler. On rappelle pourquoi on est là quand même. On est là parce que Tony va devenir le premier Français à intégrer le Hall of Fame. Ça vous fait quoi d'être là, messieurs, Thierry, Matt, pour lui? Et toi, j'imagine aussi que c'est inconcevable de partager ce moment-là sans tes amis. Bah déjà, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Au-delà de moi essayer d'atteindre mes rêves, j'ai toujours voulu le partager avec mes amis proches, avec ma famille. Je dis toujours que ça sert à rien de réaliser tout ça ou d'accomplir tout ça si tu ne peux pas le partager. Et pour moi, ça, c'est important. Et donc, on l'avait fait il y a 4 ans avec le Jersey Retirement. Et là, j'ai l'impression que c'est un round 2. C'est la dernière fois qu'on pourra, entre guillemets, célébrer ma carrière en tant que joueur. Et donc, je suis très content d'avoir Thierry et Matt ici à Springfield. On est quand même... Moi, j'ai eu la chance de venir il y a les deux dernières années parce que j'étais venu pour celui-là de Tim et celui-là de Manu. Et là, avec cette promotion exceptionnelle, parce que l'année dernière, c'était bien pourri, sans manquer de respect, c'était bien pourri, c'était bien long, il n'y avait pas assez de stars, tu vois. Oui, je sais, je dis que la classe 2023 est très costaud. Ouais. Il y a Dwayne Wade, il y a Dirk Nowitzki, il y a Pau Gasol, il y a Greg Popovich. Becky Hammon. Ouais. Ah bah, elle a annoncé dans le top 3, 4 des meilleures classes all time. Hein, là, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit après, hein. Je ne sais pas, il faudra vérifier, mais celle qui a le plus de titres. Plus de titres. Plus All-Star. Thierry, t'as pas été intronisé Non, Titi, il est encore au-dessus. Non, Titi, il est encore au-dessus. Il a une statue. Le gars a une statue. Il a une statue. Faut toujours qu'il a une statue. C'est ça, sans problème. Tiens, moi, j'ai une vieille petite bague. Lui, il a une statue. Ce serait quoi l'équivalent d'ailleurs dans le football d'un truc comme ça, le Hall of Fame, où vraiment t'es reconnu par. Enfin, tu fais partie des légendes de ton sport. Mais déjà, ça a commencé en Angleterre, je crois, il y a 3-4 ans. 2021, je crois. T'étais premier. Ils ont commencé. non, mais ils ont commencé le hall. On n'avait pas, il y a pas de choses comme ça vraiment en Europe. C'est toujours les Anglais qui sont un peu les premiers à faire des choses comme ça, à reconnaître un peu la carrière. En France, on te donne une rose et tu rentres chez toi. Ou encore si tu as la rose. Mais c'est vrai, il n'y a pas vraiment de reconnaissance de la carrière. C'est quelque chose qu'on en parlait tout à l'heure avec Matt. Les gens, on pense pas à ça en fait. Et les Anglais ont ramené ça il n'y a pas longtemps, comme tu viens de le dire. Donc ouais, mais tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas au hall. Tony parle de la statue, tu ne penses pas à ça aussi. Mais pour revenir sur la question d'être là, déjà, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Vous deux, vous avez vécu des trucs de ouf. Ici, ouais, mais c'est pas pareil. Vous êtes des petits-enfants ici? On est des fans de basket, déjà. Déjà, pour commencer. Et puis, c'est comme dans un rêve. Hier, tu parles à Jason Kidd. Après, tu es avec Eric Spoelstra, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se voit ça? Tony rentre dans le hall, comprends pas. Donc, franchement, c'est même si je sais, je connais l'histoire, il a travaillé, on peut toujours parler du... Mais c'est bien de temps en temps aussi de rester gamin et rester dans le rêve. Et franchement, hier, je voyais que des stars. Et c'est bien de temps en temps, et j'ai réussi, grâce à Tony,
à des fois voir ce que mes amis, oui, ma famille voient. Je dis, ah, c'est ça. Ah, ok. Pour une fois, ce n'était pas vous, la resta de... Voilà, voilà. Mais franchement, c'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas de mots pour décrire... pour décrire ça, vraiment. Matt, ça te fait de quoi de voir Tony, ton pote, au top du top dans le Panthéon ? Déjà, avant même de dire mon pote, fan de sport français, fan de basket, c'est immense. Il a fait partie de ceux qui ont ouvert la voie à tous les Européens qui aujourd'hui dominent dans la Ligue. Il a fait en sorte qu'on respecte aussi plus les joueurs européens. Et donc, on le voit de plus en plus, ils sont draftés de plus en plus haut et on les considère de plus en plus. Et ça, c'est grâce à ce que lui, ce que Dirk Nowitzki a fait, Pau Gasol et leur génération, c'est vraiment eux qui ont mis l'Europe sur la map, j'ai envie de dire, de la NBA à cette échelle-là, à ce niveau-là. Et donc voilà. Et puis après, en tant qu'ami, évidemment, une fierté, c'est quelque chose d'immense, en fait. Je regardais, c'est 200 joueurs depuis le début de l'histoire. C'est immense. Donc voilà, très fier et très heureux pour lui, pour sa famille, pour ses frangins, tout ça. Voilà, c'est leur clan et voilà, j'en fais un peu partie. Mais voilà, je suis très fier pour tout le monde et de les voir profiter, célébrer tout ça ensemble. C'est, voilà, c'est Johnny a une statue hein, devant l'Accor Arena. Peut-être que toi, tu en auras une devant la Méno. Écoute, hein, ça fait 20 ans de carrière, encore 20 ans. Et encore 20 ans peut-être, on verra. Il n'y a pas de Hall of Fame pour la musique en France. Hein, non. Bah déjà, on ne le fait pas pour nos sportifs, alors t'imagines. Bon, après, ça a commencé. Hein, et d'ailleurs, Titi, il faudra qu'il se prépare, mais pour le sport en France, le sport, ouais. il y a un Hall of Fame français. Ça a commencé il y a 4 ans. Je suis le 4e sportif qui est rentré dedans. C'est tout sport confondu. C'est à Nice. C'est le musée. Ils ont plus de 5000 objets, tu sais, les JO, des médailles, des trucs. Le musée est très, très sympa. J'y suis allé au mois de juin parce que j'ai été honoré. Et pour l'instant, il y a Michel Platini, ouais. Pérec. Ah non, j'étais le 3e, il n'y en a que 2. Et c'était moi le 3e. Ils viennent juste de commencer. 3e. Et en fait, ce qui est marrant... Ils ont beaucoup de taf à rattraper. Ouais. Ils ont du taf. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est l'athlète qui vient d'être élu. Il décide du prochain athlète qui va rentrer. Donc c'est Marie-José Pérec qui t'a choisi. J'ai pas encore décidé qui j'allais choisir. Thierry, il te regarde. Non, mais... Ok, on a la réponse. C'est juste une petite parenthèse. Pour moi, il n'y a personne au-dessus de Marie-José Pérec. Ah. Ça se tient. Envoyé. Ça se tient. Pas Zizou, pas Platini. Non. Marie-José Pérec. Donc, si on te demande de désigner une personne qui doit allumer la dernière vasque à Paris 2024, c'est Marie-José Pérec. De très loin, ouais. Pourquoi ? Mais qui a fait ce qu'elle a fait ? Point barre. Teddy ? Ça s'arrête là. Est-ce qu'on peut faire une petite piqûre non, de ouais, rappel ? Non, ouais, mais quand tu. Petite piqûre de rappel pour ceux qui n'ont pas grandi. Pour notre génération, c'est vrai Marie-Jo. Que Marie-Jo, c'est notre génération. C'était. Ouais, mais je pense que pour les nouvelles générations, ils vont doubler dire 400, 200. Mais est-ce que vous êtes sérieux ? C'est énorme. Et puis le fait qu'elle allume la vase, ça sera exactement une piqûre de rappel aussi pour la nouvelle génération. C'est là où on disait. En France, mais, j'ai, toujours, mais franchement, mais après j'ai grandi, puis elle est guadeloupéenne aussi. Il y a pas mal de choses qui font que, mais quand même, faire ce qu'elle a fait, Barcelone après a fait doubler à Atlanta. Elle a combien de médailles d'or? Elle gagne. Elle en a 4. Ouais, mais elle gagne aussi Barcelone. Oui, je crois qu'elle a 3. Elle fait pas doubler. Doubler à Atlanta et médaille d'or à Barcelone. 3 médailles d'or. Faire le doubler. 200-400. Oui, c'est fort. Manu Ginobili disait dans son discours que c'était vraiment une victoire d'équipe. De toute façon, d'être là au Hall of Fame, ça soulève quelle émotion pour toi ? Beaucoup d'émotions, surtout que les deux dernières semaines, c'était vachement nostalgique. C'est la première fois que tu peux vraiment te poser et réfléchir à tout ce qu'on a accompli avec les Spurs. C'était génial d'écrire ce speech. De regarder des matchs, parce qu'avec mes amis, avec ma famille, on a regardé les matchs de finale de 2003, 2005, 2007 pour que je me remette dedans. C'est pour ça que c'était cool de voir Jason Kidd hier, on vient juste de regarder les matchs de 2003, donc c'était super sympa. Et je sais pas, c'est je pense que moi, le moment où je vais vraiment réaliser que je suis Hall of Famer, même si là déjà j'ai eu la,
la bague, et j'ai eu la veste, c'est de monter les marches, tu vois. Monter les marches et de faire le discours. T'as une pression sur le discours ? Parce que là, ouais, bien sûr. T'as mis combien de temps pour l'écrire ? J'ai mis une semaine. Et t'as été aidé pour l'écrire ? Non, je l'ai écrit tout seul. Je l'ai écrit tout seul, mais après, je l'ai répété à mon frère TJ, à mon père. Devant la glace. Validé par la famille. À non, parce que tu peux, tu sais, ils m'ont donné, tu vois, quelques idées, tout ça. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une autre approche. Mais globalement, non, je l'ai écrit tout seul. Et ce qui n'est pas facile, c'est qu'il ne me donne que 10 minutes, quoi. Donc, ce n'est pas facile parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, la première fois que je l'ai écrit, j'étais à 18 minutes. Je me dis, waouh, comment ça va être dur. On va perdre du monde dans la salle. 18 minutes, on ne va pas se le cacher. Bon, attends, Jordan, il a parlé 29 minutes, Iverson 41. Mais là, justement, à cause du passé, il met toute la pression à tout le monde pour qu'on parle moins longtemps. Donc, mais ça va, j'ai trouvé mes 10 minutes. Tu t'es inspiré en tout cas des discours de ouais, j'en ai regardé, j'ai regardé Jordan, j'ai regardé Iverson, j'ai Shaq. Regardé non, j'ai pas regardé Shaq, c'est très drôle. J'ai regardé Steve Nash, j'ai regardé Jay Kidd, j'ai regardé Magic Johnson. J'en ai regardé 5-6. C'est lequel ton préféré? Mon préféré? Ouais, je suis un peu bias aussi parce que Jordan, tu vois, il m'a bien fait rire, mais parce que voilà, je suis fan absolu, mais Iverson, il était touchant. Émouvant. Ouais, il était très émouvant, Iverson. Son passé, ça. Et franchement, Iverson, j'ai trouvé ça très, très émouvant. Il vient de loin, de toute façon. Magic aussi, c'est toujours la classe quand il parle, Magic. J'ai bien aimé. Tu lâches pas facilement une larme. Tu penses que ça va partir ou pas? C'est possible. De toute façon, ces moments-là peuvent avoir beaucoup d'émotions. Hein. Et je pense que dans ces moments-là, le plus important, c'est de parler avec son cœur. C'est pas essayer de se contrôler. Je pense que dans ces moments-là, il faut juste parler. Après, c'est vrai que j'aimerais bien dire ce que j'ai à dire, quoi, pour faire passer des messages, que ce soit ma famille ou mes enfants. Donc, on va voir comment je vais réussir à délivrer. Un message à Réalène, si vous prenez dans le corner. Que... ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En plus, il sera là ce soir. Ah, il y en aura un paquet ce soir. En plus, j'ai fait un podcast avec Dwayne Wade hier. Et Dirk n'est pas. Il a montré une photo à chaque joueur, en fait. Donc, il a montré une photo à Dirk. Et c'était une photo où LeBron et D-Wade s'étaient foutus de lui. Donc, ils étaient en mode thérapie et tout. Ouais. Et après, ils montrent une photo à moi. Et la photo, c'est moi en train de regarder Ray Allen, en train de shooter. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il me dit, avec ta tête là, à quoi tu pensais quand tu avais la tête comme ça? Et donc, je lui disais, j'espérais, don't go in. Please, don't go in. Mais bon, c'est rentré quand même. Et on a perdu ces finales. On va s'intéresser à vos différentes amitiés désormais. Et bon, honneur... à ceux qui ont moins de cheveux, Matt, si tu veux bien commencer par Thierry. Essayez de comprendre cette relation à part du coup, que vous avez tous les deux. Deux icônes respectives de leur sport. Et quand vous étiez petit, Tony, vous, c'était le foot. Et Thierry, c'était devenir basketteur en NBA. Vous avez un peu vécu le rêve de l'autre, entre guillemets. C'est quoi vos premiers souvenirs, toi, Thierry, de basket et Tony de foot? De lui ou de basket en général? Non, de basket en général. Le move de Kareem Abdul-Jabbar, c'est la première image que j'ai. Skyhook. C'est là, je savais pas ce que je regardais. Quel match? Non, je sais même pas c'est quoi le match. Ah, c'est juste l'image. L'image, je savais pas contre qui il jouait. C'est marrant, je savais même pas ça. Non, mais c'est la première image. Après, c'est Michael Jordan. Il y a eu, j'ai vu aussi la rivalité Lakers-Celtics, Magic Johnson et Larry Bird. Mais Michael Jordan. Là, pour moi, Michael Jordan, il est en haut. Donc en ce moment, là, quand il y a le débat du GOAT, LeBron Jordan, ça t'énerve un peu. T'as déjà vu Dieu? Non. Ben voilà. J'ai vu Federer, se rapproche de Dieu. Michael Jordan, il est Michael Jordan, il est là-haut. David Dirk aussi. Ah, il y a aussi le débat Federer-Djoko aussi. Oui. Hein. Ah oui, Nadal aussi. Federer-Nadal. Pour moi, ça c'est... Et comment tu fais alors avec Matt? Parce que Matt, tu sais, LeBron, son GOAT. Moi, je pense que en fait, il y a les sensibilités et il y a ce sur quoi, en fait, on est attaché. Moi, j'ai que longévité et constance avec pression d'aujourd'hui. Enfin, voilà, il y a l'élégance de... Après, voilà, il y a des gens qui vont dire le résumé des finales. Combien de finales, combien de gagnés. C'est quoi, l'OM a marqué? Après, dominance sur longévité. Non, t'as les trophées, etc. C'est mon truc préféré à envoyer à Matt. Mais après, encore une fois, Jordan a été 6 fois avec l'équipe favorite. Donc, c'est un sport collectif. Tu ne gagnes pas tout seul, quoi qu'il arrive. Non, mais après,
Je pense que c'est les sensibilités. Voilà, il y en a, ils aiment l'élégance aussi, de génération, des souvenirs qu'on a avec tel ou tel athlète. Moi, en plus, je suis supporter des Lakers. Et donc, ça fait 5 ans que j'ai la joie de voir LeBron évoluer sous les couleurs des Lakers. Mais voilà, mais moi, je suis tombé amoureux du basket Jordan. C'est-à-dire que je ne suis pas un anti-Jordan. C'est-à-dire que le problème aussi dans le débat souvent, c'est que c'est des pro-Jordan anti-LeBron. Moi, je suis de base un fan de Michael Jordan. Et j'ai vraiment suivi la carrière de LeBron James, puisque c'est vrai, on est de la même année, ou peut-être il a un an de plus que moi. Et donc, j'ai vraiment suivi toute la carrière de A à Z. Et donc, ça me parle encore plus, parce que je connais tout dans les moindres détails. Vous êtes rencontrés comment, tous les deux, Tony et Thierry? En commun. Oui, Antoine. Mais la première fois, on s'est rencontrés à Trophy Ridge. Mm-hmm. Trophy Ridge, le début, la petite maison. Comment ça a cliqué? Non, en fait, c'est Antoine qui m'appelle, il me semble. Hein. C'est ça, il m'appelle, il me dit, attends, t'avais un maillot de moi, mais c'était un... Un vieux maillot. C'était un fake. C'était un fake. J'étais au plus, en cours. Et donc, cet ami, il m'appelle, il me dit, oui, tu connais Tony? Je dis, oui, je sais qu'il joue à Paris, bon joueur, tout ça. Il va peut-être aller, il va peut-être être drafté, je ne sais pas quoi. Mais il a un maillot. Bon, c'est pas... Je lui dis, ouais, je peux envoyer un maillot, tout ça, pour le rentrer en contact, on a parlé. The rest is history. Il te l'a signé quand même, le maillot? Ouais, il me l'a signé. Tu l'as toujours? Moi, je l'ai toujours. Le contact a été assez rapide, parce qu'en fait, on s'est retrouvés, Tony et moi, on est vraiment similaires sur pas mal de points, en fait. Vous avez souvent dit ça, hein, que vous ressemblez beaucoup, vous avez beaucoup de points communs. Bah moi, quand je jouais, personnellement, si je joue contre mon père, il est par terre, je lui marche sur la tête, il faut que je gagne. C'est pas un problème. Après, je peux l'amener à l'hôpital s'il veut. Mais si on joue, si t'es contre moi, t'es contre moi. Et on peut parler après. Même là, en vacances, quand tu fais des petits jeux, il faut gagner. C'est la gagne. Ouais, j'ai un peu changé quand même. On va pas non plus rester comme ça, c'est fini. Il n'y a plus rien à prouver. Mais si jamais on joue un jeu où t'es en face de moi, surtout à cette époque-là, une fois, ma copine Andrea nous a vu jouer sur la plage. Nous, on termine de jouer, elle me regarde. J'avais taclé mon père ici. Elle était outrée. Elle était lui, il m'avait mis un coup de coude dans le nez. J'ai dit, on joue comme ça. On s'aime, hein, mais on joue comme ça. Donc, Tony, il est pareil. Dur avec lui-même, donc dur avec les autres. Et puis, moi, ce que j'ai tout de suite compris quand j'ai vu Tony, c'est quand la première fois que je lui ai dit bonjour, j'ai vu son regard, je lui ai dit, c'est bon. You're gonna be okay. Non, mais il y a un truc, tu peux m'expliquer, je ne vais pas citer de nom, parce que je ne suis pas comme ça, mais il y a des joueurs, très grands joueurs, moyens. Quand je regarde quelqu'un et je ne vois pas, tu peux pas être mon gars. Si je ne vois pas que... L'instinct du tueur. C'est chaud pour moi. Si je ne vois pas que tu n'as pas ça, respect et tout, hein, mais tu ne seras pas dans ma liste. Tony, vous avez souvent dit que vous n'auriez pas eu la même carrière sans Thierry. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel point il a été important? Est-ce qu'il vous a donné des conseils aussi? Moi, j'ai toujours aimé le foot. J'ai commencé par le foot. J'ai joué au foot de 6 ans jusqu'à 10 ans. Donc, c'était mon premier sport. Et mes premiers souvenirs... Un point commun que vous avez aussi avec Matt. C'était la Coupe du Monde 90. Avec Toto Schillaci. Moi, c'est ça mes premières images. Toto Schillaci. La Coupe du Monde que j'ai vue à la télé. Et puis Roger Milla, Cameroun, quand ils battent l'Angleterre. Là. C'est ça mes premières images de foot. Sur poteau de corner. Exactement. Ils perdent. Et non, ils gagnent contre l'Angleterre. Non, ils perdent contre l'Angleterre. David Platt. Ah oui, David Platt, c'est vrai. Il bat la Colombie quand il va danser. Exactement. Et donc, ça, c'est mes premiers souvenirs. Et donc, je jouais au foot, j'adorais, je regardais téléfoot tous les dimanches. Enfin, j'étais un vrai fan. Et puis après, c'est vrai qu'en regardant les finales NBA et la Dream Team et Michael Jordan, bah, après, j'ai décidé de changer de sport. Mais j'ai toujours eu un amour profond pour le foot. J'adore regarder les matchs, j'adore aller voir les compètes. Et donc, à l'époque, bah, Titi, il commençait à exploser. Et donc, c'était mon joueur préféré. Et donc, Antoine, il avait vu que j'avais ce maillot-là. Et il me disait que mon maillot était pourri. Tu sais, je le connais, Titi. Si tu veux, je vais lui demander un vrai maillot. Et donc, j'ai dit, ce serait cool si je peux le rencontrer. Et donc, après, bah, Titi vous a raconté comment on s'est rencontrés. Et on a toujours bien connecté, toujours resté en contact. Et,
Et en fait, il est devenu le grand frère que j'ai jamais eu, en fait. Moi, je n'avais pas de grand frère, parce que je suis l'aîné. Et donc, c'était la seule personne à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière, qui pouvait relate avec moi et savoir par quoi moi je passais. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, ils avaient gagné beaucoup de choses, et donc ils savaient ce que c'était la pression. Perdu aussi. Ouais, bien sûr. C'est important. Les défaites, les victoires, la pression. Du coup, on apprend souvent plus avec les défaites, aussi, justement. Ouais, gestion de l'argent, les trucs de famille, avec des parents qui ne sont pas faciles, parce que là, on a des points en commun aussi beaucoup avec la famille, les parents. Et donc, c'était toujours une personne que je sais que je pouvais appeler, quoi qu'il arrive, il serait toujours là. Vous avez souvent critiqué en vous disant beaucoup de confiance en vous, grosse tête, arrogance, c'est quelque chose aussi dont vous avez souffert et voilà, vous avez peut-être appris ensemble à gérer. Moi, je l'ai plus utilisé comme une force. Ça, c'est la France quand tu viens. Parce que vous avez, vous deux là, vous avez ce cliché de vous avez le boulard. Ouais. C'est ça, souvent Thierry, on dit ouais, il a le boulard, ça raconte. Tipeee, au début, quand tu étais jeune, je veux jouer en NBA, ah, l'arrogance et tout ça. Et vous, ça vous a jamais. Je vais essayer d'expliquer comme je l'explique assez souvent. Calmement. Oui, toujours. Je sais ce que je sais faire. Je sais ce que je sais pas faire. Donc ça veut dire que quand tu me poses une question, tu me dis Thierry, tu prends la balle du milieu de terrain, dribbler tout le monde. Oui. Je suis pas arrogant, je sais. Je suis confiant, je sais, je peux faire. Thierry, est-ce que tu peux mettre une tête sur un corner? Non, je peux pas. Oh, je suis pas humble non plus. Je suis pas humble. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es confiant, c'est la personne qui est en face de toi qui n'est pas confiante, qui a du mal à comprendre comment tu peux t'exprimer comme ça. Parce qu'elle a un problème avec elle-même, la personne. Moi, j'ai pas de problème. Donc, oh, comment tu peux dire ça? Tu te la racontes? Non, pas du tout. Je me connais. C'est différent. Maintenant, si tu me dis, Thierry, là, est-ce que tu peux battre Tony en un contre au basket? Arrête de la raconter. Là, je dis, ouais, là, je me suis un peu égaré. faut pas. Mais à un moment donné, les gens, ils confondent. Et moi, en général, quand je voyais ces gens-là en face, je lui dis, ah, toi, t'es pas bien avec toi-même. Merci c'est pour de l'ambition. L'ambition, c'est de l'ambition. La prétention, c'est autre chose. Et souvent, les gens trop ambitieux, on leur dit, ah, ils se la racontent. Non, ils sont ambitieux, ils ont un rêve, ils ont un objectif, ils veulent y aller. Et c'est souvent un peu l'amalgame qu'on fait, l'ambition-prétention. Ce n'est pas du tout la même chose. Et Thierry et Tony, qui est le meilleur dans le sport de l'autre? Dans le quoi? Dans le sport de l'autre. Meilleur? Dans le sport de l'autre. Ouais, toi, oui. Foot et toi, c'est-à-dire basket. C'est-à-dire qu'il je même par avoir un niveau comparable dans le. Si, je t'ai vu jouer au foot. Si, tu m'as déjà vu. C'est Kata, non? Comment ça, c'est Non, non, c'est. Non. Est-ce que Thierry joue. Alors, la personne te demande. Comment est-ce que Thierry joue mieux au basket que toi qui joues au foot? Oui, mais j'ai compris la question. Et d'ailleurs, lui, je vais le défoncer au foot parce qu'il parle mal déjà. Et voilà, tu vois, et déjà on doit jouer au tennis aussi. Il se la raconte, genre, c'est un joueur de tennis, on va voir. Écoute, non, mais je pense que le. Et au padel. Franchement, tu dunkais, toi? Ouais, mais plus maintenant. T'avais du jus à l'époque. Je demande à Antoine, il a la vidéo, je dunkais. Ouais, il doit avoir une vidéo, ouais, c'est clair. Je dunkais. Ouais. Non, ça c'est vrai, il a dunké. Et le shoot, bien? Bon. Un petit shoot. Oui, si, ça se voit qu'il a. Merci. Mécanique. Ouais. Si, il a la mécanique. Modeste. Je suis gentil. Aïe. Hey, question compliquée. Oui. Qui a le plus beau palmarès entre vous deux? Le plus beau palmarès? Ouais. Ouais, mais c'est dur de comparer quand même. Il n'y a pas. T'as gagné la Coupe du Monde, hein, t'es champion du monde. Hein. Tony. T'as tout gagné. Ligue des champions. Alors. Bah, t'as tout gagné. Mais je mets Tony. J'ai le droit. Oui, mais. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Matt est plus objectif. Lequel a le plus beau palmarès des deux? Après, évidemment, avec tout ce qui est NBA, avec son équipe, ce qu'il a, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a 4 bagues, même LeBron, en ayant fait 3 équipes, il a que 4 bagues. Que. Je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que 4 bagues avec la même franchise, c'est monstrueux. Après, avec l'équipe de France. Mais après, c'est aussi, tu tombes dans une génération où tu peux gagner et tout gagner ou pas, comme les Espagnols. Pau Gasol, il a eu cette chance d'être dans cette génération extraordinaire où il pouvait tout prendre. Donc, encore une fois, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Mais moi, personnellement, c'est difficile quand t'as tout gagné. J'aime pas trop les débats comme ça. À un moment donné, quand je jouais, c'était il faut des titres. Si tu n'as pas de titres, les gens ne vont pas se rappeler de toi, patati, patata. Mais à un moment donné, est-ce que tu as marqué l'histoire de ton sport, de ton pays? Comment tu as transcendé les gens? Qu'est-ce que tu as transmis? Est-ce que tu as fait changer? Allen Iverson. Moi, pour moi, il est. C'est, alors qu'il n'a pas de titre. Voilà. Mais il a bouleversé la ligue. Pour moi, ça aussi, ça compte.
Est-ce que tu as changé ton poste? Est-ce qu'à un moment donné, les gens, ils ont dit, oh, ça, c'est le show de Tony Parker? Ouais. Ça veut dire que maintenant, les gens, ils vont... Teardrop. Voilà. Ils vont au playground et il faut que je fasse du Tony Parker. Ça, pour moi, c'est au-dessus des titres. Intérieur, plat du pied. Oui, ça, donc on parle de carrière, alors, plus non, que de palmarès. Non, mais qu'est-ce que tu as donné? Ouais. Quand tu regardes un mec quand tu es chez toi, qui te fait kiffer? Ça aussi, c'est... Allen Iverson, moi, c'est mon gars. Et tu verras, tu dis ça à n'importe quel basketteur, n'importe quel mec qui aime le basket. Ouais. Tu dis son nom, personne ne dit rien. Ah oui. Personne dit « Ouais, mais il n'a pas gagné oh, !» oui, Personne bien sûr, bien sûr. Dit rien. Et à un moment donné, ça compte. Et moi, Tony, je dis ça pourquoi? Parce que je me remets en mode fan, en fait. C'est pour ça que j'ai dit lui. Parce que, quelque part, il me fait oublier qui je suis et il m'a fait vibrer. Il m'a fait vibrer, tout simplement. J'ai vibré, j'ai pleuré avec lui. Discussion... Il m'a fait toucher le trophée. C'est con, mais je sais, vous allez me dire, ah, quand même, Thierry, t'as soulevé ça. Ouais, mais je suis pas... Moi, c'est Michael Jordan qui soulevait le trophée Larry O'Brien. J'ai dit Tony Parker. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et puis même moi, et à un MVP moment donné... en plus. MVP j'ai pu la toucher. J'ai la photo où j'ai les deux trophées. Et je la regardais en venant pour te rencontrer à San Antonio. Et j'ai dit, mais c'est... Donc je me remets... C'est fort. Il arrive à faire que moi... avec toute humilité cette fois, tu reviens et ouais, il, à chaque fois que je suis avec lui, il me met une gifle et je redeviens gamin. Il m'a laissé rentrer dans son cercle, dans son monde et surtout lui m'a accepté comme grand frère, mais aussi ses deux petits frères ont accepté que je rentre dans la famille et que Tony me voit comme un grand frère. Et ça, ils sont là à côté. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que rentrer dans une famille, ce n'est pas toujours facile. Rentrer dans le cœur d'un ami, ce n'est pas facile non plus. Mais rentrer dans la famille et que la famille t'accepte, le père, la mère, tout le monde, surtout les deux, c'est quand même, tu vois, tu viens et tu peux un peu marcher. Comme on dit, you can SHIT on their parade. Mais les gars, ils m'ont accepté aussi. C'est pour ça qu'ils sont là à côté pour parler d'eux un peu et... C'est extraordinaire. Non, franchement. Mais en tant que grand frère, est-ce que tu as déjà eu à mettre une gueulante à Tony? T'as déjà discuté? Non. Pas gueulante. Si, oui. Non, pas gueulante. Pas c'est gueulante. Pas une gueulante. Non, pas gueulante. Mais j'ai un franc-parler. Et. T'as su le secourir quand il y avait besoin. Ouais, mais. Pour moi, quand t'appelles un ami, il doit te dire la vérité. Sinon, c'est quel genre d'ami? Si c'est pour lui dire oui à tout. Oui, et, ça rien. Et Tony, oh, you're great. T'es le meilleur. Oui, oui, you're great. Mais tu là, vas tu à Charlotte, fais... c'est une super décision. Là, tu fais n'importe quoi. Tu vois? Non, mais c'est vrai, c'est tu sais quoi, c'est vraiment important. Et encore une fois, c'est pas une question d'être humble ou d'être arrogant, de lui mettre une gueulante ou pas lui mettre une gueulante. Il faut être franc. Il faut dire, il fallait que je reste la personne. C'est pour ça qu'il m'appelle. Il m'appelle parce qu'il sait que je vais lui dire la vérité. Tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des discussions dures? Oui, il y a eu des discussions dures, mais je lui ai toujours dit ce que j'avais à lui dire. Et il a pu compter sur toi sur des moments aussi très compliqués dans sa carrière. Donc forcément, ça aide aussi à entendre mieux les mauvaises choses ou les choses qui sont un peu plus compliquées. On va passer à Matt, à votre amitié. Comment ça s'est fait, vous? Comment vous êtes rencontrés? Matt, t'as été fan de l'album de Tony. De Tony, c'est ça. Direct. Non, par contre, j'ai mon son, les clés de la réussite. Mais non, nous, c'est plus récent. C'est Edwin Jackson qui ouais. nous avait mis en contact. Et en fait, du coup, c'est un peu comme Thierry disait par rapport à leur amitié, c'est que nous aussi, on a connecté. C'est-à-dire qu'on avait rendez-vous pour déjeuner à 13h. C'était à Paris dans un restaurant et en fait c'est très moi précis, j'ai toujours souvenir, non mais parce que bah parce qu'on est des gens très précis, très organisés, très c'est d'ailleurs pour ça qu'on est amis aussi, c'est que en fait moi j'ai toujours pour habitude d'être en avance à mes rendez-vous, mais toujours c'est parce que c'est une marque de respect de c'est enfin bref c'est plein de choses, on pourra en parler après, mais pour moi la ponctualité et arriver en avance, ça veut dire que tu es organisé, ça veut dire que tu fais preuve d'une forme d'intelligence et de respect, etc. Et donc, moi, ça, c'est très important quand je rencontre quelqu'un. Et je m'attendais, je me suis dit, bon, Tony, il va me mettre 15-20 minutes quoi, de retard et tout, tu vois. Mais bon, je lui dis, c'est pas grave, je vais y aller quand même.
Je reste fidèle à moi-même une heure moins dix. Et le mec je était là là-bas. Déjà depuis une demi-heure. Il était là, il était là encore cinq minutes avant moi. Ah, voilà. Et donc, notre premier contact, on se regarde, on regarde la montre et on fait... Toi, bravo. Ouais. Et ça, mais ça, enfin... Il n'y a que les gens qui sont un peu comme ça, qui peuvent comprendre, mais c'est trop important. Que ce soit dans le travail, dans l'amitié et tout, on a rendez-vous. Donc toi, pour rentrer dans ta liste, Thierry, c'est au regard. Toi, faut être à l'heure. Ben en fait, non, c'est juste une forme de respect. C'est quand j'arrive en avance, je le respecte. Il arrive en avance, il me respecte. Ou à l'heure, hein, c'est pas obligé d'arriver. Mais voilà, on convient d'un rendez-vous et on est à l'heure. Donc déjà, tout de suite, on a commencé et on savait que déjà, ça, c'était quelque chose d'important et pour l'un et pour l'autre. Puis après, évidemment, on s'est retrouvés sur plein de choses dans notre manière de fonctionner, de travailler, d'être exigeant avec soi-même, d'éduquer aussi nos enfants, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on s'est retrouvés. Mais ta passion du basket, la bascule que tu fais foot-basket, c'est à cause de Tony ou... Non, moi, basket, génération, je suis né en 85, donc moi, c'est Jordan. Michael Jordan. Hein. Michael Jordan qui a popularisé vraiment la NBA. Mon papa, c'était plus Magic quand je grandissais, mais je ne faisais pas attention. Il me parlait beaucoup de Magic Johnson, c'est son joueur préféré. Et moi, c'est Michael Jordan. Quoi. Quand j'étais petit, j'achetais le 5 majeur, Mondial Basket, j'avais avec les le posters. Poster géant et tout ça. Et puis, puis voilà, après, tu sais, t'es gamin, t'as Space Jam, puis après, tu commences à voir Canal+, Georges Eddy et tout ça. Donc moi, c'est vraiment à ce moment-là, 94, 95, quand j'ai 9-10 ans. Et donc toute la génération, ouais, Payton... Stockton, Jordan, 94-95, ouais, Hakeem Olajuwon avec Houston, tout ça. Donc moi, c'est cette génération qui m'a amené au basket. Et après, vraiment, c'est les années, un peu plus les années 2000 où j'ai vraiment commencé à regarder les trucs, à me lever. Ouais. Iverson, ouais, je disais, c'est vrai que j'en oublie. Iverson, les tatouages grâce à Allen Iverson. C'est-à-dire que j'étais fan aussi, donc ça, c'était un peu plus tard. Je devais avoir 16 ans. Et donc Iverson, que ce soit son style et comment il assumait son style, ses influences. Ton durag et ton baguette. Exactement. Ça. Ah ouais. Mais exactement. Ah ouais, et tu vois, tu le fais en vanne, mais moi, c'est vraiment ça. Ouais, non, c'était pas B2K ou les groupes de l'époque. C'est Allen Iverson qui me donnait envie de m'habiller comme ça. De mettre un truc ample, d'avoir le baggy, d'avoir... C'était pas les chanteurs, moi, tu vois. Et donc, il a une influence même au-delà des gens qui... Moi, j'ai jamais fait de basket en club, tout ça. Enfin, j'y allais même très rarement avec des amis jouer au basket. J'étais vraiment un fan du basket et du sport et de Allen Iverson et de son style. Et il a influencé toute une génération, que ce soit de chanteurs ou même de sportifs. Puisque c'est depuis lui que les mecs, en fait, ils sont tatoués, ils ont tous fait les cornrows après, avec le bandeau, enfin, Carmelo Anthony. Je pense que, je ne sais même pas s'il l'a déjà dit dans une interview, mais je suis persuadé que son style en arrivant dans la NBA, c'était Allen Iverson, en fait. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a été aussi très important dans ma passion pour le basket et tout la culture basket qui va avec. Thierry, tu as été influencé, toi, par quelqu'un d'autre pour tes styles vestimentaires, parce que tu es quand même toujours tiré à quatre épingles. Tranquille, Vincent. Hyper attention, franchement. Tu as eu une influence comme ça? Non, c'est mon père. Mon père, toujours un peu comme le tien. Comme le mien. La classe. Ouais, costard. Comment s'appelle les trucs là? Les degrés d'or, pour retirer la poussière. Comment s'appelle les trucs? Les rouleaux pour retirer la poussière. Ah oui, les petits trucs, oui. C'est autocollant, là, avec le... Mon père, il marche avec ça. Marche avec ça, ouais. Il fait rouler. Il avait toujours les dernières chaussures, les trucs à l'époque, les survêtements Fila, oui. LS, et tu connais. Oh, donc j'ai grandi avec ça, je voyais mon père toujours les Weston, les 6 en costard, ton sur ton. Je voulais m'asseoir sur lui, tu vas froisser mon jean. Et toi à côté. Là. Donc là, c'est perpétuer la tradition finalement. Ouais, à un moment donné, t'es que le reflet de ton éducation. Donc t'essayes d'enlever des trucs, il y a des trucs que tu peux pas enlever. Pour le coup, ça, bon, j'ai gardé. On sait que vous passez énormément d'été ensemble tous les deux. Il est comme Anthony en vacances en été. Est-ce que c'est le... C'est lui qui cuisine, Je suis sûr qu'il veut toujours faire des jeux. C'est pas, il veut pas faire des activités. Il veut faire des jeux, il veut faire des jeux mais à l'image de ce qu'ils évoquaient tout à l'heure. Il veut gagner. Bah ouais. C'est-à-dire que c'est comme il disait, le côté, s'il doit marcher sur la tête de son père alors qu'ils font un versus un, il va le faire. Et Tony, c'est ça. Tu joues.
Enfin, on l'a même fait, match de tennis, des 2 contre 2, même TJ, hein, c'est une punition, TJ. Faut pas croire, TJ, c'est un fumier aussi. Pierre, il est quand même... Je pense que Pierre, c'est un peu plus la force tranquille des trois quand TJ, moi, j'ai joué avec lui, c'est un petit mec. TJ, c'est une teigne. TJ, c'est une teigne, il parle mal. TJ, heureusement que c'est pas devenu une grande star du basket, sinon il aurait été détesté. T'es pas un gars qui trash talk, toi. Moi, je trash talk pas, non. Non, je devrais trash talk. TJ, ça aurait été Gary Payton. TJ, ouais, ça aurait été Gary. TJ, en NBA, mais ça aurait été, mais il aurait été détesté. Ah, je vous dis, TJ, c'est une teigne. TJ, c'est Gary Payton, KG. Mais non, non, mais et tu sens qu'en fait, ce truc-là, cette fratrie, tu grandis, t'aimes le même sport et tout, et je pense que, évidemment, je pense que ça a aussi influencé la carrière de Tony, d'avoir ce, et puis eux aussi d'avoir cet esprit quand de, tu grandis comme de ça, compétition et que tu veux, voilà. On a parlé de basket tout à l'heure avec toi, d'où t'es venu ta passion et tout. Quelque chose à nous annoncer sur Squeak TV par rapport à tes engagements sur le basket? Vous parlez de la rumeur Strasbourg, c'est ça? Ah, je ne sais pas si c'est une rumeur. Non, j'ai évidemment. Évidemment, c'est aussi quelque chose qui nous lie. C'est toujours aussi chercher des nouveaux projets et parler avec le cœur, la passion du sport, évidemment, passion pour ma ville aussi, Strasbourg. Évidemment, la SIG, c'est un club qui compte déjà dans l'élite en France, qui a déjà fait de très belles choses, qui s'est un peu endormi sur les dernières saisons. Et moi, j'ai vraiment envie de m'investir. J'ai envie d'amener déjà cette étincelle de la personne qui arrive de l'extérieur avec plein d'idées. Évidemment, c'est pas moi qui vais m'occuper du sportif ou quoi. Mon ambition, elle est pas là dans un premier temps. C'est de ramener une espèce d'étincelle, d'avoir ma vision de comment... vendre une équipe à son public, à sa ville, comment aller toucher les gens, comment faire en sorte de ramener une nouvelle génération, comment mobiliser justement toute une ville derrière le club. Et on a la chance à Strasbourg, on le voit avec le Racing Club de Strasbourg, d'avoir un public qui, quand il est là, c'est un public magnifique, bienveillant. C'est un public bienveillant. Et donc j'ai envie de m'investir, ouais. Tu nous dis que tu veux devenir propriétaire de la SIG. Voilà. Alors à quel niveau, je sais pas, mais niveau propriétaire. Mais à quel niveau? Tu sais, il y a 100%, 50. Oui, tu ok. Connais. Ah, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. J'ai une vision. J'ai des choses que j'ai déjà en tête, que je veux faire. Et c'est vrai qu'en plus, les Strasbourgeois connaissent mon attachement à ma ville. J'ai toujours fait beaucoup de choses là-bas. Et donc voilà, c'est... Premier boulot au Quick de Strasbourg. Au Quick de Strasbourg, c'est ça. Ça vient des Giants. J'étais grillman. J'étais au Giant et au Cheese. J'ai envoyé 18 Giants, 24 Cheese en 3 minutes 30. C'est le record, ça. On est sur un record ou pas? Un record. Ah ouais. Mais non, donc ouais, Strasbourg, c'est ma ville. J'ai toujours crié haut et fort ma fierté d'être de là-bas et mon amour pour cette ville-là. Et donc voilà, étant fan de basket, de sport, c'est un défi qui m'intéresse beaucoup. Je sais que Tony, c'est pour ça quand il a repris l'ASVEL, c'était ça son objectif. Du coup, vous allez devenir amis, mais concurrents, Tony. En fait, moi, je ne le vois pas trop comme c'est concurrent. C'est pas ça. En fait, moi, je pense que c'est ça, c'est la vision de base. Je ne le vois pas du tout comme concurrent. Moi, je le vois plus pour tirer le basket français vers le haut. Un allié pour la promotion de notre sport, pour la promotion du basket. Et pour faire grandir tout ça, en fait, que ce soit le basket français, l'Euroleague, il y a tellement de potentiel, comme il vient de le dire, le potentiel, enfin, on gâche un peu ce qui se passe en ce moment, et donc ce serait dommage, quand tu vois où est la NBA et qu'ils vont battre encore des droits télé records, là, enfin, c'est incroyable. Je ne vois pas pourquoi, quand je vois la MLS, comment elle est montée, quand Titi jouait, et que les valos, elles étaient à 10 millions, 20 millions, et maintenant c'est 500 millions, bah, je ne vois pas pourquoi un club de basket en Europe, l'Euroleague, nous on a la chance, le basket, de pouvoir faire une ligue fermée. Le foot, ils ne peuvent pas, ils ont essayé, mais ils se sont fait découper. Nous au basket, on peut faire ça, et on peut faire une ligue incroyable.
Et donc, moi, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que ça fait 10 ans que je suis président de l'ASVEL. Et donc, en parlant avec Matt, il me disait qu'il voulait redonner à la ville de Strasbourg. Il réfléchissait à investir dans le club de foot. Et donc, quand il y a eu les Américains qui ont repris, et bah, il me posait des questions. Qu'est-ce que t'en penses, le basket et tout ça? Et bah, je lui dis, ouais, la SIG, c'est vrai qu'ils ont des bonnes bases. Ils ont une belle salle. C'est un club historique. Et que ça peut être un club à l'avenir qui pourrait peut-être venir en Euroleague. D'ailleurs, ils étaient dans les discussions d'Euroleague, moi, avant que je reprenne l'ASVEL. Donc, Strasbourg, c'est un club qui est plus que costaud. Et donc, moi, je le vois plus comme un allié pour nous aider à faire grandir tout ça. C'est-à-dire que tu es prêt à mettre tes deniers personnels dans... Oh, oui, bah, c'est ça. Hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est le nerf de la guerre, hein, déjà. Ouais, c'est bien. Hein. Mais c'est, ouais, si j'y vais, c'est pas pour appeler des gens qui m'aident pour moi. J'y vais avec mon cœur, avec... mes coronesses et tu vois et dire que voilà c'est pas je me cache pas derrière quelqu'un, j'y vais, je crois, j'ai une vision, je crois en ma vision et ce que je peux apporter comme étincelle. Il y a des discussions avancées tout ça déjà avec les offres et tout. Les offres sont parties. Les offres sont parties maintenant. Strasbourg. Là, il est humble. Il est humble. Non, mais le but, le but, c'est d'être propriétaire majoritaire. Oui, c'est d'être comme moi, propriétaire majoritaire. Et après, il fait sa vision, il fait son truc, et il a une idée très précise de ce qu'il veut faire, de où il veut aller avec ce club. Validé par Tony Parker. Non, bah c'est cool. C'est cool de terminer comme ça. Encore une fois, merci. Hein. Merci Matt, merci Thierry d'être toujours là pour moi, pour nos événements. Et vous savez comment on vous aime dans notre famille et on prend toujours beaucoup de plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, je suis vraiment content de commencer cette nouvelle aventure. Je pense qu'on va faire quelque chose de sympa. En tout cas, moi, pourquoi j'ai accepté, c'est pour justement continuer à faire grossir le basket français, le basket européen. Et je pense qu'aux États-Unis, ils sont très, très forts avec le Hall of Fame, l'histoire. Et pourquoi il y a ça? C'est parce que la force des médias aussi, elle est incroyable. Quand tu regardes First Take, Undisputed, tous ces grands shows qui font partie de la promotion du basket aux États-Unis, bah, j'espère que nous, à notre échelle, on amènera notre pierre à l'édifice et faire un show dont les gens, on pourra les inspirer. Parce que moi, maintenant, moi, je suis animé par la transmission. J'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai envie que... les jeunes qui vont nous regarder, bah, un jour, on pourra les inspirer comme on fait Michael Jordan ou Allen Iverson ou Matt et Thierry dans leur domaine. Donc, c'est ça, à nous le de nouveau jouer. Chapitre de votre vie qui va être, entre guillemets, conclu ce soir par le Hall of Fame. C'est ça, c'est la transmission. Exactement. Quand je vois les messages que j'ai reçus, par exemple, et je ne vais pas raconter son message, mais par exemple un message de Rudy Gobert, c'est marrant, j'ai joué... plein de matchs avec lui, j'ai joué en équipe de France avec lui. Il t'a jamais dit ces choses. Il m'a jamais parlé comme ça. Et c'est marrant, quand tu rentres dans le Hall of Fame, bah les gens, ils t'avouent des trucs. Tu vois, c'était vraiment gentil, tu vois, la voice note qu'il m'a faite. Nicolas Batum, Alexis Anjassa, je ne savais même pas, c'est la première fois qu'il m'a dit ça, quand j'étais Hall of Fame, qu'il portait le numéro 9, parce que moi. Moi, je ne savais pas du tout. Il ne m'a jamais rien dit. Il ne me l'a jamais dit alors qu'on a été champion d'Europe Stephen ensemble. Stephen Jackson, non ? Tu n'as pas laissé un message gentil ? Non, j'ai pas eu de message. Pas eu de message. Il est toujours vénère contre Manu. Parce que les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est vénère contre Manu et Pop. Hein. Ça n'a rien à voir. Il utilise moi comme excuse, tu vois. Mais bon, bref. Ça, on pourra en reparler dans, on pourra en reparler dans une autre émission. On l'invitera avec plaisir. Ça fera deux Stephen autour de la table. Non, mais parce qu'en plus, moi, j'adore Stephen Jackson. Moi, ma rookie year, c'était notre gars avec mes frères, mon père, tout ça. Mais bon, après, il a besoin de... Toi, tu étais là, Titi, ouais, tu savais bon, comment en fait. Il était tout le temps avec nous. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour terminer, merci à vous. Et puis, j'espère que ce soir, on va vivre des émotions très, très fortes. Bon, je peux pas terminer comme ça. C'est clair que j'aimerais bien remercier Thierry Henry et Matt Pokora. En plus, Matt, peut-être futur président de Strasbourg. Titi, coach des espoirs, c'est un truc de malade. D'ailleurs, on va les réinviter, hein, parce qu'il va falloir qu'ils nous parlent de tout ça. Mais j'ai une petite surprise. Petite surprise, Joachim Noah, c'est mon invité. Et on est revenu sur son expérience en équipe de France. C'est vrai que moi, ça a toujours été un grand regret dans ma carrière que Joachim n'ait pas plus joué en équipe de France, qu'on n'ait pas plus joué ensemble. Et là, il nous l'explique sur le Squeak Show by Tony Parker. On m'a demandé de faire une interview, franchement, t'imagines. Je suis trop content.
Non, mais comment Tony... Si je pensais éteindre t'interview, je sais même pas par où commencer. Franchement, on est à Paris. Moi, fan de Michael Jordan et fan des Chicago Bulls, tu sais, mon père, il est de Chicago. C'est incroyable de pouvoir faire ça, de pouvoir t'interviewer. Ça te fait quoi quand tu penses à ça, que t'es a Bulls legend? Bah déjà, ça me fait bizarre de se faire interviewer par toi. Je me souviens quand j'étais le ball boy de ABCD Camp. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Et tu vois, tu étais vraiment une grosse inspiration pour moi. Alors, grand respect pour toi. Hein. Après, moi, mon premier match NBA, il était ici à Paris il y a 25 ans. Alors, c'est vraiment un retour aux sources pour moi. Papa m'avait amené au match. Michael Jordan, c'était contre les Warriors, il y avait Manu de Ball, il y avait Chris Mullin. Oh, Manu de Ball. T'imagines, à l'ancienne. mais c'était vraiment un moment vraiment spécial qui m'a marqué. Tu reviens souvent là en France maintenant que tu as rentrée sportive? Parce que je vois que tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup de choses, je vais revenir dessus, mais tu reviens combien de temps en France? Ben, j'essaie de passer un peu de temps quand même, parce que je travaille beaucoup en Afrique aussi avec, avec la BAL et la BAL et NBA Africa. Alors, c'est toujours un passage. J'essaie de passer sur Paris avant d'aller en Afrique. Mais ouais, ça me fait toujours plaisir. J'ai mon petit frère qui habite ici, j'ai mes tantes, mes cousins. Alors, ça fait toujours plaisir de passer vers Paris. Justement, en parlant de la BAL, c'est ton gros projet. En tout cas, moi, je te suis sur les réseaux et je vois que c'est un gros truc. Et moi, j'ai fait pas mal de voyages aussi en Afrique. Et c'est sympa de voir bah, vous tous, de mettre tout en œuvre pour être sûr que le continent africain il soit respecté et qu'il soit mis en avant comme ça. C'est quoi tes objectifs, justement, avec la BAL et jusqu'où vous voulez l'emmener? Ben, je crois que... Déjà, je suis super fier de faire partie de cette plateforme. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est la première fois que la NBA fait une ligue en dehors des États-Unis. Alors, je suis vraiment... je suis fier d'être un investisseur, mais aussi faire partie du travail pour voir grandir ce sport, parce que le basket nous a tout donné. Et on voit aussi en France le potentiel de ouf de tous les jeunes joueurs qui arrivent depuis nous. Quand tu penses à Victor, tout ça, le potentiel, c'est pas que l'espoir du basket français, mais c'est c'est du basket, hein, du basket. Alors, j'espère un jour pouvoir trouver un gars comme ça en Afrique et être vraiment, vraiment fier. C'est obligé qu'il doit être quelque part. Hein. Il doit être, on va le trouver. Juste mettre la plateforme pour qu'il réussisse. Quoi. Exactement. C'est obligé. Parce que Victor, nous, c'est le prochain gros potentiel du basket français. Mais je pense que sur le continent africain, c'est obligé qu'il y en ait d'autres. C'est obligé. Et donc, j'espère que grâce à la BAL, bah, les jeunes, ils vont pouvoir justement s'exprimer. Et là, ils ont une plateforme pour vraiment réussir. Et je suis vraiment content et fier que tu fasses ça et que tu redonnes à tous ces pays. Moi, je suis allé souvent au Sénégal, Angola, tu sais, j'ai pas mal de partenariats avec l'Académie et le Cameroun aussi. Je sais que c'est un endroit aussi à beaucoup de potentiel. Donc moi, je te souhaite bonne chance pour tout ça et tu peux compter sur moi. Un jour, il faudrait qu'on fasse un voyage ensemble en Afrique. Ce serait vraiment un truc sympa. Ça serait super. Tu me diras hein, quand tu veux, mais moi, j'aimerais bien venir et faire un truc avec toi là-bas. Merci, frère. Revenir un peu aux sources, ça peut être sympa. Merci, frère. Par rapport à t'as la BAL, il y a d'autres choses que tu fais depuis la retraite? Il y a d'autres choses que tu as envie d'essayer ou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de news, tu vois. Donc, c'est pour ça. Non, mais écoute, je me suis marié cet été. Ouais, ça, j'ai vu. c'est vrai, j'ai vu. Au Brésil. Et aussi, j'ai mes enfants. J'ai ma puce qui est en maternelle maintenant. J'ai mon petit qui a 3 ans. Alors, j'essaie de vraiment... c'est une balance, hein, avoir passé du temps à être papa et être présent. Et aussi, je travaille aussi beaucoup à Chicago, j'ai mes associations là-bas. Je continue à faire mon taf avec ta base, elle est où maintenant, ta base? Je suis à Miami. À Miami, ok. Non, le froid, j'en peux plus. C'est fini. Tu l'as eu pendant tellement d'années bon, à Chicago. Bon. 10 ans à Chicago, New York. New York aussi, ouais, New York, ça fait mal aussi. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, non, je suis vraiment content, je suis en place. On a fait un super projet aussi avec Derrick Rose, où il a amené les gamins... Il a amené 20 gamins de son lycée et on les a amenés au Sénégal. C'était vraiment un projet vraiment incroyable.
tu vois, c'est un retour aux sources. Parce que nous, au moins, on sait un peu d'où on vient. Moi, je sais que je suis Camerounais quand je vais là-bas. J'ai passé mon enfance à aller voir mon grand-père. Mon père passe beaucoup de temps là-bas aussi, alors je sais d'où je viens. Les jeunes des quartiers aux États-Unis, ils ne savent pas vraiment d'où ils viennent, mais ils savent que leur héritage est africain. Alors, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Et de pouvoir faire ça avec mes frères, parce que maintenant, voilà, on est des ambassadeurs, on a vraiment la chance de pouvoir travailler avec les choses qui nous tiennent à cœur. Quand tu regardes par rapport à ta carrière, t'aimerais que, quand les jeunes ils parlent de toi, t'aimerais qu'ils retiennent quoi? Qu'est-ce que toi, tu retiens quand tu... Parce que moi, je suis vachement nostalgique maintenant, parce que maintenant, t'as Jersey Retirement, t'as tous les trucs, tu sais, qui viennent. On a fêté les 50 ans avec les Spurs. On a fait 68 000 personnes là, à l'Alamo Dome. On a battu le record NBA. C'était un truc de malade. Mais en même temps, j'étais vachement nostalgique, tu sais, de revoir tout le monde, Timmy, Mano. Quand toi, tu reviens et tous les Bulls Legends, tu retiens quoi de ta carrière? Tu vois, avec les jeunes, ils se rappellent de quoi? Honnêtement, le truc qui m'intéresse le plus, c'est mes proches. C'est mes proches. Je sais que j'ai beaucoup de frères que j'ai gardés en tant que joueur. Et je suis fier de ça. Je suis fier de mes frères et ce qu'on représente. Et je veux surtout que les gens sachent que j'ai tout donné. T'as tout donné, ça c'est sûr. J'ai tout donné. J'ai pas mis un 3 points. Tu vois, j'ai pas mis un 3 points, mais par contre. Mais t'as tout donné. J'ai mouillé le maillot. Ça c'est sûr. Tu vois, j'étais pas. Et bon, j'ai fini avec pas mal de blessures. J'ai pas fini. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des hauts et des bas, mais je sais que j'ai tout donné. Et pour ça, je suis fier. Par rapport à quand tu dis t'as tout donné, ça c'est sûr. Parce que moi, quand je regarde ta carrière, c'est t'as tout laissé sur le parquet et tu jouais à 100% chaque match. Le seul joueur qu'on pourrait comparer qui faisait pareil que toi à 100% tous les matchs, c'est peut-être Kevin Garnett, c'est pareil. D'ailleurs, il y avait souvent des bastons avec vous deux, là, c'est marrant. moi, j'aimerais parler un peu de l'équipe de France aussi. On a fait une campagne ensemble, on a eu une médaille d'argent. Et je suis sûr, si tu serais venu, on aurait gagné plus de médailles. Ça, c'est sûr et certain. Parce que quand je vois les nouvelles générations, je dis, vous avez de la chance que Joachim n'est pas venu si on avait plus de médailles. Qu'est-ce que tu retiens de notre campagne ensemble? Je sais que tu l'as fait parce que pour la famille, pour ton papa, tout ça, tu avais envie de jouer avec l'équipe de France. Tu retiens quoi de notre campagne ensemble? Parce que moi, j'ai kiffé jouer avec toi. Ouais. Moi, j'ai kiffé. Et je suis persuadé, et c'est mon argument quand je parle avec les gens, c'est si Joachim était venu plus d'été, j'aurais plus de médailles d'or. Non, mais honnêtement, je sais que t'as toujours poussé pour ça. Et ça fait plaisir de pouvoir en parler maintenant. Tu vois, maintenant que c'est fini, honnêtement, j'aurais aimé. La réalité, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessures aussi. En fin de saison, j'étais toujours mal. Et j'avais vraiment envie de gagner un titre NBA. Surtout la façon dont je jouais. Ah, c'était dur d'enchaîner. C'était dur d'enchaîner les deux, la façon dont tu jouais. Exactement. Mais est-ce que tu retiens des bons souvenirs quand même de la campagne? Ah, les souvenirs, mes mecs, c'était super. Je me souviens, Baba qui me faisait tout le temps chier. Je l'appelais Robocop. Honnêtement, Ronnie aussi, qui lui aussi s'était blessé. C'était un moment difficile. Et le soutien de tous les gars. C'était vraiment un super moment et on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques. J'étais vraiment chaud pour y arriver et je me souviens, j'ai eu une vieille blessure. Parce que tu avais prévu de venir, hein, les gens, ils ne savent pas, ils pensaient genre, mais tu voulais venir au Jeux. Je voulais venir, c'est sûr. Mais tu étais blessé. J'étais vraiment, mais c'était violent quoi. Et je crois que, bon... Je sais que c'est difficile et même en parler des fois, c'est pas facile parce que je sais que j'ai déçu beaucoup de gens aussi ici avec ça. Et plus que les gens autour, mais surtout mes coéquipiers, parce que je sais que c'était, même l'année qu'on a fait ensemble, je sais que c'était un moment spécial. Même si on n'a pas gagné la médaille, je sais que c'était un super spécial. Groupe et c'était spécial. Et je sais que ça, c'est ce qui compte. Mais c'est dur de voir les gens déçus aussi, mais des fois, il faut prendre des décisions. Et
voilà, on a fait une campagne et c'était spécial. Et bah, maintenant, on va faire du ski ensemble. Bah, exactement, exactement. Moi, j'en garde un bon souvenir, en tout cas. Je me souviens aussi au All-Star. Je me souviens, il y a eu un moment pendant un match au sac que personne ne savait. C'est, je me souviens un moment, on te fait la passe au All-Star et and I was picking you up full court. Full court. Et t'es là, mais non, mais il est sérieux le mec là, il vient me faire la défense tout le terrain là, genre All-Star. Tu m'as regardé comme ça, All-Star game et tout. J'ai dit, il est chaud, il est chaud. Calme-toi, gars, ça va. C'est All-Star. C'est quand même, on avait marqué quand même l'histoire hein, ce jour-là. Hein. Quand même, deux Français au All-Star Game, c'est la seule fois de l'histoire. Et avant que ça arrive, je pense qu'on a encore le temps de jouer. Allez là, respect, frère. Bon, c'est la fin. Rendez-vous la semaine prochaine. Je suis au bar, pas trop d'indices. Vous verrez. See you next week.